Je voudrais dire quelques mots sur le rôle que Pierre Pachet a joué dans ma vie et sur ce que je lui dois dans mon travail. Nous nous sommes rencontrés il y a 50 ans. Si ce ne fut pas une amitié sans nuages, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. C'est par son ami d'enfance Claude Vivien, qui était à l'époque mon petit ami, que nous avons fait connaissance en 1967 lors d'une visite que nous lui avions rendue à Orléans où il enseignait. Sa femme Soizic était très enceinte de Yaël, il avait déjà un fils, François, et il venait de terminer sa thèse et avait tout juste publié son premier article dans la revue Le Nouveau Commerce, à laquelle il collabora longtemps, article intitulé « Du bon usage des fragments grecs ». Il écrivit peu après pour les Cahiers du Chemin, dirigés chez Gallimard par Georges Lambrix, et il avait généreusement introduit son ami Claude Vivien auprès d'André Dalmas, le directeur du Nouveau Commerce, et de Georges Lambrix, qui éditait par ailleurs Pierre Klossowski. C'est ainsi que, de fil en aiguille, je fis la connaissance de ce dernier, avec qui je nouai une relation amicale qui dura jusqu'à sa mort et qui compta beaucoup pour moi. Le Paché de 30 ans que j'ai connu alors était déjà quelqu'un qui visiblement se destinait d'emblée à une carrière d'écrivain. C'était une destinée décidée, si je puis dire. Dès son premier article, en somme, il avait une œuvre devant lui. Je l'ai aussitôt perçu comme ça, et aussi comme un homme d'études. Et ce qui m'avait frappé alors, c'est que tout dans la vie familiale qui était la sienne tournait autour de cette vie littéraire à laquelle il s'était voué de manière déjà si sûre d'elle. Sa femme Soizic prenait tout en charge, la vie quotidienne, les enfants, et tout s'organisait de façon à gêner Pierre le moins possible dans son travail. Mais il ne faudrait pas croire que Soizic se cantonnait à des questions d'intendance. C'était la première lectrice de Pierre et il a pu témoigner de ce qu'elle l'empêchait souvent de céder à la facilité, car c'était aussi un penchant de Pachet. Alors les choses étaient établies ainsi, comme naturellement, donc Soizic s'y pliait de bonne grâce. Et je crois qu'elle a été, jusqu'à sa mort prématurée, d'un dévouement sans faille, vouée qu'elle était, elle aussi, au-delà de lui, à son œuvre. En somme, tous les deux, ils avaient la foi. C'était assez impressionnant. Et Pierre m'impressionnait. Souvent ironique, il déconcertait et ne laissait pas d'être intimidant. À l'époque, j'étais agrégatif de philosophie. L'enseignement me faisait peur. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie. J'osais à peine rêver d'écrire un jour. À Dalmas, qui m'avait demandé pourquoi je n'écrivais pas, j'avais répondu que je n'avais rien à dire. Il m'avait rétorqué qu'on n'écrivait pas parce qu'on avait quelque chose à dire. Cela ne m'avait pas convaincu, surtout à la lecture des textes de lui qu'il publiait dans Nouveau Commerce et qui me semblait quand même empreint d'une certaine gratuité. Alors, Pachet, quant à lui, me semblait, lui, avoir quelque chose à dire. Je sentais chez lui une originalité qui lui donnait le droit et le devoir de s'y consacrer. Aussi représenta-t-il la première figure d'écrivain que je rencontrais, dont l'authenticité n'était pas soupçonnable. Il y avait une dimension éthique dans sa position qui devint un repère pour moi et le resta. Le cours de la vie nous éloigna un peu. Je m'étais orientée vers la psychanalyse et je lui envoyais ma première publication, celle de ma thèse intitulée « Freud antipédagogue ». Je n'attendais pas de retour de cet envoi et fus étonnée de recevoir une lettre de lui, une vraie lettre, qui témoignait qu'il m'avait au moins un peu lu. Et il fit de même à l'occasion des ouvrages que je lui adressais aussi par la suite. Toujours, une phrase de ses lettres me frappait par sa pertinence, assez déroutante souvent pour me donner à penser et parfois même orienter la suite de mon travail. Ainsi, il avait de la merveilleuse solitude qu'il avait, je mets entre guillemets, donc c'est une citation, de la merveilleuse solitude qu'il avait évoquée à propos de Gide, Genet et Mishima. Et que l'on puisse qualifier de merveilleuse
une solitude qui me semblait si pathétique chez chacun d'eux, m'ouvrit une perspective. J'ai toujours pensé qu'il considérait comme étant son rôle d'intellectuel et d'écrivain de faire un véritable accueil à tous ceux qui lui adressaient une publication. Ce fut en tout cas une leçon pour moi, et je me suis efforcée par la suite de ne pas laisser sans réponse les envois qu'à mon tour je recevais. Je revis Pachet plus régulièrement après la mort de Soizic. Très désemparé, cherchant à s'entourer, il sollicita les vieux amis et je répondis à l'appel. Cela donna lieu à des échanges plus soutenus, dont certains, pour moi, furent très féconds et d'autres l'occasion de mesurer nos divergences. Il m'apparut ainsi plus nettement que son indifférence à l'égard de la psychanalyse pouvait aller jusqu'à l'hostilité déclarée. Il me demanda de me joindre à Éric Marty et lui-même pour mettre sur pied un colloque sur Lacan et la littérature qui se tint en novembre 2002. Je fus très surprise par son intervention, intitulée « Goût et mauvais goût de Jacques Lacan », aussi virulente, à sa manière, que celle d'Elisabeth Roudinesco lors du même colloque, ce qui n'est pas peu dire. Je me retrouvais ainsi en position de cautionner une attaque en règle contre mon maître Lacan. Il multipliait dans cette intervention les jugements dépréciatifs pour qualifier le style de Lacan, errance, divagation, maladresse, empêtrement, confusion. Son style est fuligineux. Il diagnostique, je cite, « un déploiement quasi pathologique de la phrase, constamment outrepassé, violé, mise en déséquilibre, surchargé ». Et en somme, il vous dresse le portrait d'un Lacan torsionnaire de la phrase. Il n'y a qu'à la dernière ligne, comme saisi de remords, qu'il reconnaît à Lacan la sobriété d'un maître zen qui va, je cite, « presque à l'effacement de soi ». En relisant nombre des articles de Pierre, récemment mis en ligne par les soins de son fils, j'ai pu noter le respect, voire la déférence, en tout cas l'attention à la singularité de chacun, dont il fait constamment preuve à l'égard des auteurs qu'il traite. À une autre exception près, peut-être, Madame Guyon, qui fut elle aussi l'objet d'une vive dépréciation lors du colloque qui lui fut consacré à Thonon, auquel mon ami Jean-Noël Vuarnet devait participer. Le colloque lui fut dédié, il s'était suicidé peu auparavant. Je connaissais un peu Madame Guyon grâce à lui et fus plus qu'étonnée de l'avoir traitée par Pachet de, je cite, « fausse mystique » et ses expériences, je cite, « d'inauthentique ». Le sentiment de l'injustice et l'envie d'y contredire me firent plonger corps et âme dans cette œuvre pour laquelle je me pris de passion. Et c'est là que Pachet fut très bien. Il ne s'arrêta pas à la contradiction, ne prit pas ombrage de la contestation, et il vit la passion et me mit dans les mains Simone Veil, qui fut pour moi une magnifique découverte, même si j'avais lu à l'adolescence La pesanteur, comme tout le monde à l'époque d'ailleurs, La pesanteur et la grâce. Elle m'allait comme un gant, si j'ose dire. Pour poursuivre dans le droit fil de Guyon. Et peu après, il me donna à lire Eti Ilsoum. Ainsi, le livre qui est issu de ses lectures et que j'ai intitulé « La vie parfaite », c'est à lui que je le dois, et non seulement le livre, mais aussi le chemin intérieur alors parcouru. Je lui en suis reconnaissante et me demande aujourd'hui si je le lui ai assez dit. »